Il est certain que le langage contribue fortement à rendre les femmes invisibles. Ce qui ne s'exprime pas, ce qui ne se nomme pas, n'existe pas. Alors remettons au féminin tout ce qui doit l'être. À tout vouloir féminiser, on frise le ridicule. Non, ridicule, c'est le mot. Pour moi, il y a des choses plus urgentes à régler. Mais la langue a une grande influence, en particulier dans l'éducation. La langue est le reflet d'une société. Si nous sommes niais, méprisés dans les mots, nous le sommes et le serons toujours dans la vie. Dans l'avenir, on pourra dire une chef-feu de manufacture, une chef-feu de cabinet, une chef-feu de rédaction. Chef-feu avec deux F et un E? Quelle horreur! Bon, on peut plus attendre là, hein. Sinon les crevettes de mes timbales vont finir par foutre le camp. Et c'est la chef-feu cuistot qui vous le dit, avec deux F et un E.